Ok. Humeur. Une belle journée. Humeur comptée. Histoire, moi, elle parle non là. Elle commence bien, mais elle a fini avec un petit goût triste, mais pas vraiment triste. Humeur. Une belle journée, comme content, bah, elle fait maquette. Mais, m'oublier que m'gagne, crédit carte, m'devrais acheter pour m'bailler cadeau. Crédit, alors, prépayer carte, pour m'bailler cadeau durant la saison de fête là. So, il préfère ou bailler cadeau ou bailler Amazon, plutôt Amazon Card, acheter. So, Amazon Card, c'était facile pendant la pandémie, il fait bonne livraison, bel travail. Ba moun nan ou konen moun nan, si pa ka soti, ba l'achete sa bezwen nan Amazon. Bel bagay. So, pa la pense goun lot problem ki ba l'prezante. Ouais. Goun tournan, diferent tournan ki fet. E fwa ou soti ou pa kont ki joun ap rentre nan. Ebyen, ou insidan. Ki se la pretekstan un pan nan de kompyuteur, Ok, fait semblant que vous pas un computer. L'OLOM avec au moins 5 cartes de crédit à payer. Alors, 5 cartes de crédit, on doit 100 dollars each. D'accord, fait, madame l'a disposé, oui, là. Et puis, moi-même, je ne comprends rien, non? C'est quand même que l'autre n'est pas arrivé. Les gars, les superviseurs. Mais elle ne parle pas de me comprendre, hein. Il frise moi. Et puis, par contre, c'est moi qui t'en t'a trop pensé. Oui, ouais, monsieur qui devant maintenant. T'as voulu suspect mon bagage parce que moi, je le gardais mais avec insistance. Ok. Bon. Parce que manager a vini, au lieu vraiment d'observer la machine, de vérifier la machine, même pas qu'on est technicien machine superviseur, mais au lieu de vérifier la machine, il demandait à vérifier ma carte de crédit et ma licence. Alors, c'est ça que fait M. Ouais, monsieur devant, qui peut aller déjà, qui a coller comme si. L'État a fait garder avec insistance pour que tu comprennes ce qui a passé. Parce que le web a passé devant. Je commence à questionner c'est son attitude, monsieur. A. Et je finis de comprendre que ça m'a l'État a fait comprendre. Non, monsieur, a, il comprend. So, exactly. Je pensais que le client de devant me voyant ignorante ne pouvait retenir son impatience. Il me soutenait le regard visiblement, comme pour me réveiller. Il a dit qu'on a compris ça, qu'il n'a pas compris rien, ça qui a passé là. Il a compris qu'il m'a oublié. So, malgré ça passé là, vraiment, je sais que des jours plus beaux passé l'autre. Je n'ai pas, j'aime te content de ça, pas de gain vraiment que tu as fait. Ou tu as crasé, mais pas crasé net. So, mais quand même, j'ai finalement compris. J'ai obéi à la demande de vérification. Parce que, on connaît pas le payer par débit, mais on ne pas demander. Je dois dire que je besoin de vérifier le crédit card, je ne pas payer par crédit card. Mais on va garder facture parce que je pas payer par crédit card. Et puis. Ok, je vais te vérifier, je vérifier, je pas avoir gagné, ID même j'ai avec crédit 4 mois. Mais pourtant, je sais que j'allais payer avec ma carte de débit. Mais pour voir, elle prétendait une patte de la machine, c'est bizarre. Une patte de la machine. Comment? C'est du cas que même ma connaissait pas de machine, ni mari de camper, pour qu'elle ait fait vérifier. C'est bizarre. Mais c'est la première fois que j'ai vu cette caissière. Elle était plutôt mince, jolie,
avec une mine sévère, mais dans les 50 à 60 ans, parce que là, la joint. Et puis, quand la personne appelée apparaît, et a fait une déclaration à l'oreille, comme pour chuchoter à l'oreille, c'est quelque chose. Pour moi, après, quand j'ai pu analyser, c'est comme si elle lui demandait de vérifier ma carte de crédit avec ma licence. Ce que une caissière peut faire. C'est pourquoi j'ai pris la conclusion, peut-être qu'elle était nouvelle. Je n'ai jamais vu ce visage. Hein? C'est moi qui ai préféré, je n'ai jamais vu ce visage. So, pour moi, la caissière a suggéré quelque chose de particulier pour comprendre l'attitude de ce représentant. Et cette caissière, le plus souvent, l'on parle quand on caissière, elle toujours dit bonjour. C'est-à-dire, ça va que j'aime dire bonjour, le terme dit. Vous comprenez? Après, ça m'analyse ça. Tout le temps, elle avait la mine sévère, se montrait trop sévère. Ça veut dire qu'elle avait déjà une assumption. Elle était presque indisposée de me voir avec ses cartes de crédit à 100 dollars chaque. Ça l'ennuyait. So, yes, de quelle carte s'agissait-il? Quelle carte voulait-elle parler? De débit ou bien de crédit? Elle ne sait pas. Elle assume que j'allais payer pour un crédit. Pour un crédit card. C'est pourquoi je devrais dire crédit ou débit. Lequel préférez-vous? Parce qu'en réalité, je n'avais rien dit comment j'allais payer. Avec le débit, c'est mon réel argent. Je possède ce qu'on appelle PIN number, le numéro. Mais j'ai pu comprendre que, on dirait les deux ont un comportement similaire. Je veux dire que les deux ne pensent pas. Les deux se laissent mener par suspicion. Suspicion. Non, ils n'ont pas la tête. So, je comprends que le représentant Wall, pour résoudre un issue, mais ce problème était pour moi était pure imagination. Ça n'existait pas. Ça existait dans la tête de la caissière qui assumait que j'allais payer par carte de crédit. Voilà, vous vérifiez la carte de crédit. Pourquoi je ne peux pas payer par carte de crédit? Quand je vous demande débit ou crédit, puisque je devrais terminer l'issue parce que je ne pouvais pas rester encore. Wow. Yes, I want to pay Amazon gift cards with credit card or debit card. Doesn't matter. Credit card, you want to verify. Okay. But you don't verify for the customer in front of me. That is, I try to understand that this clue. It's why this customer keep watching me. Yes. Réponse, c'est la vérification. OK? Vérifiez. 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 Vérifiez, vous n'avez rien trouvé. Quoi? Soyez humble et passez à la bonne conclusion. C'est normal to match ID et license. Bon, quand vous avez un doute, vous avez le doute est parti. Et vous avez commis une erreur de ne me jamais demander comment j'allais payer. So, aucune apologie.
de la caissière ni du représentant. Hein? La caissière, après ça, restait la tête baissée de tout le temps. La tête baissée. Et pourquoi cette attente inutile? N'était pas nécessaire. Pourquoi cette attente inutile? Mais quelque chose a attiré mon attention. Le représentant avait. Tout était faux sur le représentant. Faux cheveux, faux sourcils, tout était faux. Tout était coloré. Cette personne était là que. Une personne déguisée. Vous voyez déjà la personnalité. Et le client de devant se retordait à empaqueter. Il était seul à pouvoir empaqueter ses affaires. La caissière était restée là figée, attendant. Le manager. Tandis que elle pouvait aider le client de devant à empaqueter ses provisions. Et c'est pourquoi j'ai parlé. De quelle corde parlait-il? De quelle corde? J'entendais payer par débit de corde. Mais vous ne m'avez pas demandé. Vous vous précipitez à appeler le représentant qui lui-même a fait la même erreur. En assumant peut-être que je ne peux pas payer 5 codes de crédit à 100 dollars chacun. Yes. Et le monsieur devant continue, staring at me. Là, retenait mon regard comme pour me suggérer qu'il y a quelque chose qui se passe. Si je ne suis pas consciente, je n'étais pas consciente. Je n'étais pas consciente, je n'avais pas compris le jeu. Je n'avais pas compris le jeu du tout, jusqu'à la fin. Parce que dans ma tête, je n'avais pas de crédit code dans ma tête pour payer. Je n'ai jamais pu comprendre. J'ai pu comprendre jusqu'à la fin en voyant l'attitude du monsieur. C'est ce qui m'est arrivé. C'est l'attitude du monsieur qui m'a attiré l'attention. Mais les indices se sont clarifiés à la fin. Et j'ai demandé à la personne, débit au crédit code, que voulez-vous? Parce que là, vous avez vérifié mon crédit code. Ensuite, j'ai la possibilité de débit de code. Que voulez-vous, non, maintenant? Non, j'ai deux options. Et puis le manager de dire, oh, je préfère que vous me payiez par debit card. Ce qui veut dire, vous pensez que de toute façon, ce n'est pas que j'ai 4 lames de balle payer quand même. Vous m'avez décidé, retirer 600 dollars dans l'argent, vous avez déjà l'argent déjà. Et vous allez louer moun pour me faire mon plaisir. Bon, je ne pas de problème, je vais prêter le crédit card pour faire mon plaisir. Je vais garder les cheveux blancs dans la tête. Ça, c'est une expérience. Hein? Les cheveux blancs dans la tête. Ça veut dire que vous avez un bagage déjà qui ne sont pas fait encore. Hein? Ce crédit card à 100 dollars, je vais l'acheter pour faire mon plaisir et je vais gagner les sous crédit, je vais l'acheter. De toute façon, ça est chaud d'écran de froid. Désormais, depuis que je suis allé même côté ça, que je suis à l'aise malia, je dois toujours garder est-ce que son grand monde qui l'encaisse là ou son jeune monde. C'est le monde de les années 50 à 60, ils sont réellement drôles, ils ne vivent pas la réalité. So, c'est le seul problème qui vient de gagner. Je suis obligé à regarder le fini depuis moi au monde fake. Ou fake. Et pour gagner faux bagages sous, bah marcher coteau. Bah marcher coteau. Et parce que vous voulez paraître
Boum, ou pas faire tête ou pas en penser même, ou pas réfléchir, ou pas un cerveau. Parce que c'est, ou voulez, comme ça pour apparaître. Quand tout le monde a un temps pour parler comme ça.